Franck Dubos, sa femme Danielle, son magnifique soleil depuis 10 ans. Zoom sur celle qui a conquis la star de camping. Franck Dubos est le héros de l'émission de Karine Le Marchand, Ambition Intime, ce 6 février. L'occasion de se confier avec enthousiasme, tendresse, humour et simplicité, entouré de ses proches. Parmi eux, se distingue sa bien-aimée Danielle. Dans la Provence, l'humoriste, acteur et réalisateur qui va bientôt dévoiler son film, Tout le monde debout avait déclaré que son épouse avait beaucoup contribué à l'émission et lui avait permis d'être lui-même durant le tournage. Mais qui est celle qui a bouleversé la vie de la fille de l'humour? En 2003, après 5 ans de relation, Franck Dubos se sépare de sa compagne, Sabrina Dupré, productrice de télévision. 3 ans plus tard, il écrit une nouvelle histoire avec Danielle. Originaire du Liban et de 10 ans sa cadette, la jolie blonde ne reste pas insensible, la star de la saga Camping. Leur couple devient rapidement sérieux, ils se fiancent en avril 2009, et se marient la même année à la mairie du 16e arrondissement. Ce sont les deux meilleurs amis de Daniel qui étaient ses témoins, la sœur de Franck et son meilleur ami, ont émargé le livre officiel pour lui. En costume gris clair pour le comédien et robe courte blanc cassé pour Daniel, arrivé au bras de son papa, ils étaient rayonnants. Viendront deux garçons, Raphaël, 8 ans, et Milan, 5 ans. Grâce à son épouse, Franck Dubos savoure le calme et la sérénité, je me suis dit que c'est ça qu'il me faut, quelqu'un qui soit comme ça, à l'opposé de moi. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, il faut aussi se compléter, explique-t-il dans Ambition Intime. Comment se sont-ils rencontrés exactement? C'était il y a quelques années à Monaco. Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais j'ai tout de suite lassé. Je voyais sur scène un beau gosse avec ses fenêtres qui souriaient timidement, et je me demandais comment il pouvait faire ce métier en paraissant si timide. J'ai tout de suite vu une personne hyper sensible, hyper simple, hyper humble, confie-t-elle à l'animatrice.